Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, quoi que vous passiez dans la vie, où que vous soyez, sachez qu'il est strictement prohibé de manger le riz sans sauce, car cela risque de nuire gravement à votre état de santé. Oh, t'appuyer sur Christo. Abraham Tato, tu es le seul témoin, Figon Talala, mon parrain à moi. Dinali Pato. Bah, tu peux comment je suis aujourd'hui? Je pense que son domicile devrait être quelque part entre les deux. Non, c'est ça. Oui, c'est. Elle fait comment pour habiter ici comme ça? C'est là où son mari a construit. Oh. Et voilà. Et... Dis que c'est ici la maison. Oui. Hey, regarde, il y a les carreaux blancs. C'est là où son mari a construit. On fait comment pour tenir? Hein, on tenir. Appuie doucement. Comment tu sais comme ça, ils comprennent les dames. Ouais. Comment le ting-ting qui était au village, il fallait marcher pas. Maman, comment tu passes? Maman, moi c'est toi. Aïe. Mathieu, il y a le têtu là. Il y a pour le poids partout. Maman, tu es contente. Non, maman, il va bien, même comme il n'est même pas là. Reculez-vous de là. Deux ans, c'est qui? Wow, bonjour. Venez rapidement. Sale bandit. Lève-vous. Chérie. Madame, attention. On se touche pas ici. Vous avez pour deux minutes avant que le commissaire n'arrive. Soyez rapide. J'ai dit on ne se touche pas. Si le commissaire arrive, j'aurai des problèmes. Vous avez pour deux minutes pour causer avec lui. D'accord, chef. Merci, chef. Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? La banane avec du pain. Goûtez d'abord avant de lui donner. Soyez rapide. Bébé. Hey, vous n'allez pas le nourrir, madame. Donnez-lui ça. Amen. Il me regarde. Soyez rapide. Merci le pain. Goûtez, goûtez. Mais madame, mais qu'est-ce qui vous arrive? Donnez-lui ça comme ça. D'ailleurs, donnez-moi. Toute la banane là-même, c'est déjà beaucoup pour toi. De temps en temps, tu vas me déranger ici, chef, chef, je vais chier, je vais chier. C'est même devenu quoi? Oui, chef. Tiens ça! Comment? Il n'y a pas de chef qui tient. Allez-y rapidement, vous avez encore une minute. Pas vite. Chérie, qu'est-ce qu'ils disent? Sois fort. Laissez les meubles. Posez sans vous toucher, envoie tes mains à l'intérieur. 45 secondes, madame, soyez rapide. Mais chef, laissez-nous deux. Mais c'est la maison ici. Je vais l'envoyer à l'intérieur encore plus souvent. Hein. Faites vite. Bébé, je suis en train de me battre pour te sortir d'ici. Je ne sais pas, je n'ai plus de force. Chérie, quand il pense que tout ça c'est pour rien, il pense qu'il n'y a rien fait, chérie. La méchanceté de l'homme. La méchanceté, chérie. Voilà notre amour qui est gâché pour ça. Chérie, c'est pas gâché, je t'aime. Sale bandit. Non, tu ne connais rien, n'est-ce pas? D'ailleurs, vous avez à trop causer même. Madame, prenez votre sac. Allons-y. Chérie, je vais me battre. Madame, prenez votre sac. C'est bien bon. Allez chercher de l'argent. Si vous l'aimez trop, vous venez de l'enlever de là. Je crois. Je sais que tu n'as rien. Je tiens, madame, prenez votre sac. Allons. Bébé, prends soin de toi. Elle a compris quoi? Je t'aime toujours. Madame, c'est bon. Hey! C'est quoi ça? Tu donnes bisous à un prisonnier. Vas-y, donne bisous et jette ça loin. C'est moi qui ai gâché ça. Allez, allez là-bas. Oh. Vas-y, va à l'intérieur, va plus avant. Va donner pour tes amis bandits. Je ne connais rien, je ne connais rien. Tu vas aller reprendre ça là-bas. Si elle t'aime, qu'elle vient t'enlever de là. Comment? C'est bien devenu quoi? La croyance de base. Tout le monde, bougez, bougez, bougez. Hey,
maman, tu m'as tellement manqué. Comment tu vas? Ah, maman, je suis là. C'est mal au foyer. Vrai, vrai, la vie du foyer n'est pas facile, hein. C'est pas facile. Encore avec le genre de belle-mère que j'ai là, maman, c'est pas du tout évident. Et qu'est-ce qu'elle veut celle-là? Maman, la mère elle m'a déjà tout montré dans la maison. C'est quelle qualité le problème que je n'ai pas encore vécu avec elle? C'est quelle qualité de bagarre qu'on n'a pas encore eu à faire dans cette maison? Depuis quand une belle-mère s'est jetée dans le foyer de son fils? Maman, celle-là m'a dépassé. Elle m'a déjà dépassé. En tout cas, elle va me trouver. Elle ne te connaît même pas, Emma. Elle connaît tes tendances suicidaires. Mais dis donc, je savais pas qu'on avait les invités là. Tu es présente? Là, c'est ma maman. Oh, maman, enchantée. C'est un honneur pour moi de vous rencontrer. Merci. Et là, c'est mon petit frère. Ah, c'est comment, jeune homme? Tu es un gaillard d'eau, toi? Moi, j'espère que le voyage a été. Très bien. Vous savez, je n'ai pas été prévenu de votre venue ici. Là, je suis très pressé. Je suis en train d'ailleurs rencontrer un ami à l'ambassade de France. Oh. Bon, je vais vous laisser quelque chose pour boire. J'imagine que vous avez soif. Okay. Et à ce soir. Merci. Bonne journée. Bye. Ne m'énerve pas, elle. Ne m'énerve pas. Ne me prends une fois, non. Maman, c'est le cousin de mon mari. Lui, il ne reste pas ici, donc, mais il est là avec moi pour une bout de temps. Vous vivez ensemble? Je vais rester seule ici, là, pour maman. Est-ce que c'est normal qu'il vienne vivre dans la même maison que toi? D'autant plus qu'il n'est pas ton mari. Maman, c'est mon bon frère. C'est le cousin de mon mari. Et déjà que ma belle-mère, je ne peux pas vivre dans la maison si c'est un homme. C'est que tu vas venir trouver mon corps ici, là, maman. Ah, tu ne connais pas la femme, là. Je m'inquiète. Tu sais que les jeunes d'aujourd'hui ne sont pas comme les jeunes avant. Maman, c'est quand même le cousin de mon mari. C'est vrai que Bakayoko est tellement gentil et sympa, tout ça, mais je ne peux pas quand même me salir. Donc, tu connais ta fille. Ah ah. Non, je m'inquiète. Fais vite, non. Depuis que tu as la journée, tu as venu pas mettre ça dans ta poche, c'est quoi? Tu joues avec moi. Tu veux rentrer? Non, pourquoi tu fais quoi? Contrôle-toi. Ouais. Ma, je suppose qu'on n'avait pas mangé en venant, donc je m'en vais chercher quelque chose que vous allez manger, non? Le daron. Avec la bière. Bien glacée. Tais-toi. Depuis quand tu bois la bière devant ta danse? Je me dis bien là-bas. Je ne voudrais pas qu'on te renvoie au village. Je pense que tu as arrêté. Alors contrôle-toi. Ah, ça va, non? Ouais, le boss Pointo. C'est ici que je vis. C'est une maison quand même que j'ai construite depuis. Hein. Depuis. Mais cette maison, elle est quand même belle. On s'est battu, c'est quand je travaille encore. C'est pourquoi moi, je suis maintenant à postuler chez toi. Pour que, bon, si je, désormais, si c'est moi qui gère les affaires au Cameroun, les affaires d'immobilier au Cameroun, quand tu es en Europe, ça peut un peu me relever, quoi. Justement, ça va te relever énormément. Puisque c'est de ça que je vis, j'ai fait l'immobilier au Cameroun et dans certains pays en Afrique. C'est ça qui a permis que ma famille et moi vivions en Europe. Ok, papa, c'est vraiment. Étoile! Oui, boss! Mais depuis que je suis avec l'étranger, tu fais comment? Hein? Tu demandes de nous servir, tu perds le temps comment? J'arrive, boss. Non, viens servir. Je te dis que c'est le grand des patrons ici. Il ne faut pas le regarder comme ça, tu le simplifies. Bonsoir, monsieur. Bonsoir. C'est madame? Non, je ne t'ai pas parlé que madame a été portée disparue, papa. C'est ma ménagère, c'est elle qui se bat ici pour moi comme ça. Merde. Mon frère. Le patron, si tu aimes ce qui est bien, toi le boss Pointo, si tu aimes ce qui est bien, ouais. Les bagatelles appellent souvent ça Yom Mujuli, oh Shobun, Yom Mujuli, oh Ramda. Mais Yom Mujuli, c'est un peu vite.
Ça, c'est le dernier whisky que j'ai gardé depuis à la maison, hein, papa. Ce n'est pas que c'est maintenant. Mais je viens de servir, non? Mais sérieux! Ça va. Ok. Moi aussi, ça va. Bon, si tu penses vraiment beaucoup, non? Non, maintenant on pense à complot. Si ça finit, tu vas me donner l'autre glaçon. Voilà, ça va. Laisse, papa, laisse, je vais te servir, boss. Ma personne, tu sais, parfois quelqu'un te regarde comme ça, il ne connaît pas ta vraie valeur. C'est quand tu perds les formes qu'ils vont comprendre pourquoi la différence entre beaucoup et jamais. Un peu de durée. Oui, oui, allez-y. Mais c'est vous qui êtes fou là qui devez faire ça. Papa, laisse. Elle est capricieuse. Peut-être qu'elle a compris comme quand tu disais que tu veux qu'elle te plaît. Tu sais que les jeunes filles, c'est comme ça. Hein. Elle a compris. C'est sûr qu'elle a compris. Voilà les choses que tu dois normalement négocier. Non. Si elle lui donne un immeuble ici, là, toi aussi, je ne peux pas te laisser comme ça. Ouais. Je connais ta performance. Tintin. Ah, santé, boss. Santé. C'est du bon. Non, c'est que nous, on boit de l'autre côté. Là. Non, c'est 15 ans, papa. Un instant, hein, boss. Tu me donnes un instant, non? D'accord. Je passe à la phase négociatoire. Voilà, c'est ce que j'attendais de toi. Pour toi, je suis prêt à tout. C'est ça que j'attendais de toi. Complication. Kumbana, Kumbana. Allez, tout le monde, bougez. Et toi? Oui, boss. Il y a quelque chose que je ne comprends pas sur toi. Tu te souviens que je t'avais dit que je vais te donner un homme qui a les moyens. Que physiquement, ce n'est pas trop ça. Mais il a ses moyens. Et le voilà qui est au salon. Mais la manière que tu es en train de faire, tu peux nous faire perdre le business. La nouvelle entreprise où j'ai postulé, c'est lui qui a l'entreprise là dans l'immobilier. Hein? Et il est en train de s'intéresser à toi, tu es en train de te comporter déjà. Madame, oh. Non, tu n'as pas vu. Tu n'as pas vu quoi? On voit quoi? Tu fabriques les humains. Voilà un bel homme comme ça. Hein? Tu connais l'argent? Va bien te comporter là-bas. Tu te comportes bien avec ce monsieur. Tout ce qu'il dit, tu acceptes, madame. Et tu sais que toi et moi, je ne sais pas où on va partir. Parce qu'un pauvre, et quelqu'un qui a un droit de pauvreté comme moi, je ne sais pas ce qu'on peut aboutir dans la vie. Donc quand il y a une action, il doit avoir une réaction. Elle est dans ton milieu, tu passes là-bas, tu essaies de te battre là-bas. Tout tu as derrière ses mains. C'est un quoi? Patron. Mon nouveau boss. Ouais, ça non, chez toi c'est calme. Hein? C'est simple, tout est lié à vieux ici, tout est lié à vieux. Ouais, voilà, attention avec le bâton du patron. Hein. Tu nous accompagnes pas? Il faut boire un peu. Mais quand même un jus, tu c'est comment boire le jus? Hein? Tu vas boire après. Ah. Mais là, vraiment, j'ai mis mon téléphone où? J'ai mis mon téléphone où? On peut m'appeler, mon Dieu. Tu vas bien? Exactement, mon gars. Je veux t'envoyer ici. Tu as dit que tu es ménagère. Oui. Mais tu ne mérites pas être ménagère, voilà. Tu mérites être une femme qui vit la grande vie. Une femme qui n'est que de l'eau. J'arrive ici, ça veut pas qu'il veut vivre. Parce qu'il veut parler de femme à femme. Tu mérites cette place. D'accord? Moi, je veux changer ta vie, tu as compris? Je vais t'enlever d'ici. Je vais faire toi ma deuxième femme. Parce que ma première femme, elle avait les enfants en Europe. Donc je vais faire toi une femme très heureuse. Deuxième? Quand je viens au Cameroun, je reste avec toi parce qu'il veut parler de femme à femme. Tu veux te prouver que je suis capable. Je n'aime pas assez boss. L'espèce sur moi. Tout d'abord, comment? Je m'appelle Général Pinto. Pinto? Attends, voyons, je vais te donner quelque chose. Ça, c'est ma carte de vie. Tu m'appelles à cas d'un besoin. Donc, si à quel besoin tu m'appelles? C'est ma carte de visite. Et je donne mon taxi, hein. Je n'ai pas assez d'espèce sur moi. Tu vas prendre ceci pour le taxi. Puisque je veux partir.
c'est un petit 100 000 francs, ce n'est que le taxi. Tout ça, c'est pour moi? Ben oui, ça, c'est un petit 100 000 pour ton taxi. Ok, merci. Merci, monsieur Pointo. D'accord, d'accord. Appelle-moi quand tu as besoin. Hein. D'accord. Merci, je reviens, je pars à la cuisine. Ok. Mon téléphone était en charge, j'avais oublié. Mon téléphone était en charge. Mais tu es un bon monsieur. Patron, je suis capable de décrocher la ligne. Les choses ont l'air de se compliquer, mais je sais que toi, tu peux décanter la situation. Ah bon? Non, ne te dérange pas. L'argent soulève les montagnes. Comme je te disais que je venais pour l'immeuble de Nalala, tu dois partir là-bas parce que peut-être les disciples peuvent m'appeler. Attends, attends, je l'appelle et t'accompagne. Que je te laisse au portail. Ton chauffeur est là, non? Le chauffeur est là, le chauffeur. Ok. Étoile! Oui, boss. Va accompagner mon ami. Si on t'appelle encore pour ça. Oui, c'est pour l'immeuble là. Ok. Viens l'accompagner. Va accompagner ton fiancé. Oui, pour l'immeuble là. C'est moi qui suis chargé de ça. Donnez-moi quelques minutes, je viens. Je te dis non. Merde, patron. Donc, elle t'accompagne. Voilà, au moins, c'est quelques millions qui sont encore pour nous. La belle vie, oh! Ouais! Viens accompagner ton fiancé. Aïe. Mais viens accompagner ton fiancé. Viens l'accompagner. Ok, boss, on vous accompagne ensemble, alors. Mousse, heureux, papa. Et toi, tu t'accompagnes ton fiancé jusqu'à route, hein? Je reviendrai, papa. Bon, bon. Oh, d'accord. Les plantes, lui. L'argent. C'est ici que M. Sangalon habite. Ah, c'est ici, ma fille. Oui, ok, bien. Merci beaucoup de nous avoir montré le chemin. Oui, à la main. Ma fille, on y va. Comment tu vas? Benz. Quelle surprise! C'est vrai! C'est le problème de la vie qui nous amène. On ne peut rien, tu vas vraiment nous expliquer. Non, laisse, hein? Entrer. Si on est venu, ça va être entrer d'abord, ouais. Okay. Entre, non, c'est vrai! Oh, voilà là, mon parrain à moi! Tu n'allais pas tomber! Bon, je peux dire les balances. Tu démarres après, assois-toi là. Voilà. Je suis pas très content de toi. Parce que je ne peux pas être en train de te mettre dans un business que ça va changer notre vie. Hein? Tu es en train de tergiverser. Hein? Bon, ça, c'est pas un business. Tu es en train de me placer. Te placer veut dire quoi? Te placer que quoi? Le gars, le tout, c'est mal comme homme. À part qu'il a l'air, qui marche, ça fait nos points. Ça fait quoi? Qui va porter l'autre? Qui va porter le truc ou pas? Là où tu connais, là, qui va porter le truc? Ah, toi, si tu te déranges, les autres font comment? Tu me trouves marginalisé, les gens. La grande odeur. Et en passant, j'ai vu le taxi. On était à la cuisine, qui t'a donné. J'ai vu. Oh, les femmes, tu peux avoir le cancer. Si tu mets la langue de sein, tu peux avoir le cancer de sein. Je vais protéger. Tu as protégé. Ça veut le taxi. Bon. Mets l'argent ici. Bon. Ouais, c'est le départ qui fait la chose. C'est le départ qui fait la chose. Je suis ton patron, hein. C'est moi qui te fais le placement. Ah, donc c'est le placement? Oui, si tu veux savoir, c'est le placement. Quand tu vas aller là-bas maintenant, là, tu crois que l'amour que tu cherches envers moi, j'ai quoi? J'ai quoi?
Tu te positionnes dans un endroit où tu peux même aller prendre tout dans ma part. Hein? Un petit 2 secondes que tu as que tu salis seulement quelqu'un. Ma main tord, bisous, tu n'as pas donné. Tu es à 100 000. C'est 100 000, j'ai compris. Hein? Non. J'ai compris. Il parlait seulement. Ta meuf. 1, 2, 3, 4, 5. Tu as appris tes 5. Bon, je n'ai rien pris. Alors, je n'aime pas. Tu commences tôt, hein? Je n'ai rien pris. Tu commences tôt. Quand le vrai agent va arriver, tu vas faire comment? En tout cas, quand il va venir, il va travailler. Tu veux me gâter le business? C'est même pas bien. Tu veux me gâter le business? Maintenant, débarrasse. Et quand tu vas aller là-bas, tout ce que tu vas faire avec lui, il va me dire. Oh. Je ne veux pas que tu fasses l'erreur, que je lui dise que tu es une mauvaise fille. Après, les filles, quand vous faites le placement au début, vous êtes soumises. Et après, c'est toi qui vas chercher à gâter ma relation avec lui. Oui. Donc, tu as averti. Ne fais pas l'erreur. Tu veux débarrasser? Non, considère que l'argent là, que je t'ai payé le mois que tu as pleuré, que je n'ai pas l'argent. Considère que je t'ai payé. Ok. Voilà. Tu barrasses. Tu me regardes les biscuits, là, j'aime mes yeux où ça s'arrête. Mais un peu boire, non? Ah, tu fais. Donc tu voulais boire, hein? Oh, si tu faisais seulement le boucan. Oh non, je ne bois pas. Me casse, bacha. Oui, boss. Apparemment, ce n'est pas bu aujourd'hui. On te cherche ici. Tu as pour 2 000, c'est même parce que tu m'as donné 2 000. Donc, les 2 000 là, je suppose que 1 000 fois c'est 1 minute. Je t'ai donné, non? Oui, tu as pour 2 minutes. Soyez rapide. Oui, je t'ai donné. Okay. Ouais, mon frère, désolé, c'est comment, non? Ça va pas. Tu vois comment tu respires ma peine? Ça va pas. Ouais. Je t'ai dit que l'affaire que tu pars, tu es bien, c'est vigile ou c'est vigile ou c'est quoi là? Il t'a dit que l'affaire là, si tu ne finis pas en prison, peut-être c'est la mort. Voilà ça, maintenant tu es en prison. Voilà, tu sens même, hein? Frère, c'est la méchanceté. C'est la méchanceté, frère. Voilà. Je n'ai rien fait. C'est la méchanceté, frère. C'est la méchanceté. L'homme nous est méchant. Voilà, deuxième. L'homme nous est méchant, frère. Tout ça, c'était la fille là. La fille que mon patron avait pris là. Leslie. La fille là, c'est une méchante fille. C'est une sorcière. Voilà. Frère, okay. C'est une sorcière. Tout ça, c'est elle. Je n'ai, Allah, je n'ai rien pris chez le monsieur. Je ne faisais que mon travail, frère. Je me souciais seulement de mes bons et loyaux services. Je ne sais pas ce qu'elle me voulait. Ou elle voulait seulement se faire voir. Ou elle voulait seulement montrer au mon patron qu'elle aime trop. Frère. Je sais. Tu es un gars posé. On se connaît depuis longtemps. Mon patron aussi. Ah. S'il pouvait savoir le cœur de la fille, là, tu sais que... Toi-même, tu sais que ton patron, c'est un autre, non? Il fait comme s'il a perdu les pédales dans la tête. Il te suis dépassé, frère. Cette fille, c'est le pire cauchemar de ma vie. Avant elle, je n'avais jamais connu la cellule d'avant. Je n'avais même jamais eu une confrontation avec un policier. Regarde où je me retrouve. Je n'avais pas su que je pouvais passer même une seule nuit seulement. Pas le pire cauchemar de ma vie qui m'arrive, frère. Ah, Joseph. C'est juste que mon patron... faire couler les larmes. C'est juste que mon patron ne veut pas connaître ce qu'il connaît. Mais ça va aller, t'inquiète. Monsieur, c'est bon, le temps s'est écoulé. Ah, chef. Le temps s'est écoulé, monsieur. Je prends la canne. Il n'a droit à rien. Il vient de manger, il n'a même pas encore fini. Il n'a droit à rien. Ouais, c'était bon. Il a un morceau, chef. Non. C'était bon. Joseph, c'est pas un souci, je reviendrai te regarder. Merci. Tu suis là, hein? Merci beaucoup, gars. C'est okay. Bon, mon frère. Ça va aller, bon. Beaucoup de courage. Merci beaucoup. Bon, ça va t'apprendre, hein? Il fait toujours voler. Tu ne connais rien. Pardon, chef. Chauve la canne, pardon. Pardon, chauve. Les bons temps, la bonne chanson. Que tu es en joie, tu vas chanter. Oh, tingle, tingle, yamdo, yo. Oh, yop, ma tédia. Ah, grand frère, chérie. Tu m'as effrayé, hein? T'es effrayé comment? Tu m'as effrayé, ma petite sœur Black Queen. Ouais, laisse seulement. J'ai une bonne nouvelle. Regarde, ta nièce a eu le bac. Yeah! Ta nièce a eu le bac. Yeah!
Quelque chose va passer les bains. Ah, oui. Quelque chose va passer les bains. Yama. Mais la joie de ça. Je t'ai dit. L'enfant là t'a soulagé. Je t'ai dit. Du tout, tu vois que ta souffrance n'est pas partie dans l'eau. Je t'ai dit. Ta souffrance n'est pas partie dans l'eau. Seigneur. Quelque chose t'a aidé. Mes grands frères. Hein? J'ai un problème. C'est vrai que je suis heureuse comme elle a eu le bac là, mais je m'inquiète beaucoup. Après le bac, je fais comment? Même 5 francs, je n'ai pas pour l'envoyer à l'université grand. Ah! Donc maintenant, tu t'inquiètes plus l'après-bac, quoi? Je m'inquiète beaucoup pour ça. Moi, je ne sais pas. Non, mais attends. Chaque fois, tu m'as déjà vu pleurer depuis ce moment-ci. Tu m'as vu pleurer depuis que tu as entendu que Fatima a passé le bac. Oh. Tu crois que Fatima est où? Ah, moi, je ne sais pas, moi. Non, tu fais l'économie. Dieu merci que tu t'es prononcé au bon moment. Ah bon? Oui! Parce qu'il y a une grande opportunité que Allemagne pour tous offre à tous ceux qui viennent fraîchement d'avoir le baccalauréat. Hein, papa? Oui! Allemagne pour tous, c'est qui encore? Allemagne pour tous. Oui. Tu ne connais pas Allemagne pour tous? Non. Non. C'est une grande structure qui font dans le management des enfants qui viennent d'avoir le baccalauréat rapide. Comme ça, on peut faciliter la tâche pour qu'ils aillent en Allemagne pour suivre des formations. D'abord, attends un peu. Attends, donc, ma fille va aller en Allemagne. Bon, attends d'abord, calme-toi. Que tu aies l'argent ou pas, ils peuvent même préfinancer. Vrai, et, grand frère. Et l'enfant rembourse étant là-bas. Allemagne pour tous. Attends, je mets. Si mes chocs ou yotembe, tu mets avant. Non, mon grand frère, le réseau. Voilà. Julia. Jeune lauréate au baccalauréat 2021, enthousiaste de réaliser ses rêves académiques, prépare un examen d'université. Malgré tous les efforts déployés, elle fait échec à toutes les unités d'enseignement. Triste, Julia sent le sol se dérober sous ses pieds et le ciel lui tomber dessus, car voyant la mort de ses projets. Cependant, elle ne sait pas que sa vie est sur le point de prendre une autre tournure, car Sarah, son amie, va lui annoncer une nouvelle formidable. En effet, Allemagne pour tous lui offre la possibilité de préfinancer ses frais de voyage et ne rembourser qu'une fois en Allemagne. Allemagne pour tous lui donne également la possibilité de faire une formation en soins infirmiers tout en percevant une bourse de 1000 euros à la fin de chaque mois pendant toute la formation avec certitude d'embauche au terme de sa formation. Nous sommes Allemagne pour tous, agence de voyage et experts en recherche d'opportunités de voyage pour études, formation et travail en Allemagne. Allemagne pour tous. Nous vous accompagnons jusqu'au bout. Tu as vu? Facile comme ça. Mais c'est... Attends, si tu es sage, va directement dans leur agence. Parce qu'il y a Douala, il y a Yaoundé. Ici, à Douala, va rapidement. Voilà le numéro de téléphone dessus. Tu pars rapidement là-bas et tu inscris ton enfant. Tu étudies toutes les procédures. Que tu aies l'argent ou pas, dès que l'enfant a obtenu son visa... Bye bye. Donc je paye même le taxi. Même le taxi, je paye par rien. Ouais, l'enfant là-bas, chaque fois, il y a une bourse, non? Quand on remet la bourse à l'enfant, avant que l'enfant remet au fur et à mesure l'argent qu'on a préfinancé. C'est pourquoi je dis que Allemagne pour tous, c'est comme les sugar daddy maintenant. Et les sugar daddy est qui? Je ne veux même pas comprendre la suite. Grand frère, laisse-moi d'abord aller prendre toutes les informations possibles. Je te reviens. Je viens m'asseoir ici. On commence. Allemagne pour tous est en train de sauver tous nos enfants. Si j'arrive, grand frère, il ne va pas perdre le temps. L'ignorance, c'est quelque chose. Allemagne, ich bin geboren in Deutschland. Ich wohne jetzt in Kamerun. Und ich verfahren zum Deutschland. Uniquement l'Allemagne. L'Allemagne. L'Allemagne pour tous. Nous vous accompagnons jusqu'au bout.